Notre zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet, dont on parle beaucoup. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Une sorte de Minitel à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais demain, Internet intégrera votre télé. En attendant l'avènement de ce nouveau monde, à Paris, on peut apprivoiser ces nouvelles techniques dans un lieu particulièrement chaleureux. Ici, on embarque pour un voyage virtuel tarifé, 60 francs de l'heure, l'heure du village global. On navigue en direct dans tous les ordinateurs du monde, pratique de l'anglais indispensable, cours d'initiation. Tout à fait recommandé. DIF, ça veut dire Graphic Interchange Format. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés au sens propre qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. Visiter l'abbaye de Cluny, mais je ne sais pas si c'est disponible, on n'arrive pas à trouver. On trouve tout sur Internet. Quasiment tout ce que les hommes ont écrit ou photographié au cours des 50 dernières années, y compris un bon nombre de reproductions de choses plus anciennes, y compris des informations touristiques, des informations de jeux, l'art et la manière de commander une pizza, la filmographie de Burt Lancaster, le plan du shopping à Singapour, quasiment tout. En fait, moi je chercherais plutôt une espèce de librairie avec des références de disques, j'ai pas l'air de trouver pour l'instant, mais je continue à chercher. Vous pouvez alors communiquer avec la planète. Exemple, avec Bill Clinton, le président américain reçoit tous vos messages et la Maison Blanche y répond. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Je vais lui brancher le modem NovaFax sur son ordinateur et à la prise du téléphone. Comme ça, il aura le fax, le Minitel et enfin accès à Internet. C'est pas génial, ça? Modem NovaFax, fax, Minitel, Internet. Essayons de faire que les Français se réveillent, notamment en fournissant un certain nombre de contenus en français. Parce que ce qui gênait aujourd'hui par rapport à Internet, c'est que la plupart des contenus étaient en anglais. Club Internet, c'est avant tout Internet en français, fait par des Français, pour les Français. Le plus spectaculaire, c'est que Wanadoo contient aussi les 25 000 services du Minitel. Un simple clic et nous voici sur le Minitel SNCF pour réserver votre billet. À l'occasion de l'enquête sur cet attentat, on a découvert sur le fameux réseau de communication internationale Internet, n'importe qui pouvait trouver la recette destinée à confectionner des bombes et à se livrer à des actes de terrorisme. C'est aussi simple et terrifiant que cela. On va aller jusqu'à même te donner les prix, si tu peux les trouver. C'est tout juste, si on ne va pas te donner l'information, tu peux les acheter. Parce que sur Internet, tu peux acheter par... Les commander. Et les commander, ouais. Par correspondance. Ouais, tout simplement. Internet est-il devenu le réseau de tous les dangers? La plus grande liberté règne sur le réseau. Certains parlent déjà de la naissance de la démocratie électronique. Donc là, aux États-Unis, des voix se font entendre. Des magistrats, des utilisateurs demandent, pour arrêter la dérive, que le réseau Internet soit nettoyé. Ils appellent à la responsabilité de chacun. Cette éclosion de printemps ressemble à celle du Minitel dans les années 80. Et si le succès est le même, nos manières de vivre et d'apprendre en seront vite profondément transformées.